Vous vous demandez sûrement quand est-ce que vous allez pouvoir récolter votre précieux miel. En fait, le miel est prêt à être récolté dès qu'il est operculé. Mais nous, on vous recommande de le récolter quand vos cadres sont remplis aux deux tiers et que vous en avez assez pour remplir une boîte complète. Pour le récolter, c'est pas sorcier, il faut chasser les abeilles des hausses à miel vers la hausse à couvain. Pour ça, vous l'aurez deviné, on utilise un chasse-abeille. Le chasse-abeille, c'est vraiment la méthode la plus efficace puis la moins stressante pour les abeilles. En gros, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un petit labyrinthe au milieu et ça permet aux abeilles de quitter les hausses à miel vers la hausse à couvain sans toutefois pouvoir remonter. C'est aussi simple que ça. Pour l'installer, je vais vous montrer comment on fait. Bon, pour installer votre chasse-abeille, c'est vraiment simple. On met tout simplement le panneau par-dessus la hausse à couvain. Mais avant, assurez-vous d'enlever la grille à reine. Vous vous souvenez du labyrinthe? Ben c'est ça, là. Assurez-vous qu'il soit vers le bas. C'est vraiment important. Et voilà. Maintenant que vous avez remis tout ça en place, assurez-vous que tout soit bien aligné. Il faut vraiment que ce soit parfait. Aussi, gardez l'œil ouvert pour la moindre craque ou le moindre trou, parce que sinon, les abeilles vont pouvoir retourner dans vos hausses à miel. Puis ça, c'est vraiment la dernière chose que vous voulez. Comme ici, j'ai l'impression qu'il y a une petite craque. Alors, comme j'ai un doute, je vais mettre un morceau de ruban adhésif. Et voilà. Maintenant que tout est bien scellé, il ne reste plus qu'à attendre 3 jours pour venir chercher votre miel. Ça fait maintenant 3 jours que vous avez mis votre chasse-abeille. C'est maintenant l'heure d'aller voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Oh, wow! C'est vraiment un super beau cadre de miel. Ah, il y a quelques retardataires. Je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai amené ma brosse à abeilles. Je vais tout simplement venir prendre mon cadre de miel et le brosser devant la ruche. Maintenant que c'est fait, il s'agit tout simplement de prendre vos hausses à miel puis de les ramener à l'intérieur ou en tout cas à un endroit où aucune abeille va pouvoir les trouver. La récolte de miel, c'est vraiment un moment satisfaisant, mais ça ne marque pas la fin de la saison. Rappelez-vous qu'il vous reste encore beaucoup de travail pour s'assurer que vos abeilles passent bien l'hiver.